Voilà, donc vous savez que nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Sabas, j'appelle Saint Sabas de sanctifier. En fait, c'est un nom qui est assez répandu, la tradition, il y a beaucoup de saints qui ont porté ce nom-là. Mais Saint Sabas de sanctifier est important pour nous parce que celui qui est donc le fondateur, je ne sais pas, mais en tout cas le patron d'un monastère qui est dans le désert de Transjordanie, encore aujourd'hui. Et ce monastère est très important parce que, à différentes époques, il a hébergé, je ne sais pas comment on appelle ça, des grandes personnalités ascétiques, en particulier Saint Nicolas. Saint Nicolas était moine, quand même, je ne sais pas, il était moine du monastère Saint Sabas, hein, et Saint Jean Damascène, dont on a fait mémoire. Récemment. Et donc c'est important quand on va là-bas, quand on peut y aller, parce que c'est pas très facile. C'est un endroit qui a été vraiment une sorte de pépinière vraiment de saintes personnes, et de personnes pas seulement saintes, mais aussi très, comment dire, avec l'esprit très éveillé, les gens très au courant de la vie de l'Église, les gens qui ont participé à des conciles, les gens qui ont participé à la défense de la foi. C'est un endroit qui est important parce que c'est un endroit de prière et d'ascèse, de lutte contre le péché, de lutte contre les passions, mais c'est aussi un endroit dans lequel s'est forgée la conscience dogmatique, on va dire, de l'Église, c'est-à-dire la conscience de la vraie foi. Et donc, et Saint Nicolas et Saint Jean Damascène, par exemple, ont été des défenseurs de la foi dans des circonstances assez difficiles. Et donc pour nous c'est assez important, parce que quand on lit la vie de ces personnes, on se rend compte que ce que nous vivons à notre époque, et qui nous afflige beaucoup, parce que c'est difficile, etc. En fait, si vous voulez, c'est relativement peu de choses par rapport à ce qu'ont vécu les anciens chrétiens, qui ont quand même gardé la foi dans des circonstances extrêmement difficiles. Et le monastère de Saint-Sabas, il faut que vous sachiez ça, vous le savez peut-être déjà, est un monastère dont les moines ont été exterminés au moins deux fois par les tribus de, bon, peu importe qui, c'est que Dieu leur pardonne, mais donc c'est les gens dans ces monastères ont été au moins deux fois exterminés. Et donc, si vous voulez, il y a quand même dans l'expérience chrétienne des situations qui sont effrayantes, vous voyez, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes orthodoxe, on prend la vie. Donc il faut penser à ces choses-là, ça nous permet de peut-être de traverser les épreuves que nous traversons avec un peu plus de sérénité. Parce que, bon, si vous voulez, quand même, on n'est pas les premiers à vivre des difficultés, même cosmiques, même planétaires, même sociales. Et on n'est en tout cas certainement pas les premiers à avoir à faire le choix de vivre selon la foi chrétienne ou pas. Ça, cette question-là, elle reste fondamentale. On est loin d'être les premiers, ni les derniers d'ailleurs, à avoir à poser cette question. Donc ça, c'est vraiment important. Nous nous tournons vers la vie des saints pour cette raison-là, parce que ce sont des exemples pour nous. Si vous voulez, ça nous montre de Dieu. Bon, alors ça n'est pas très facile pour nous, etc. Mais quand on voit ce qu'ont traversé d'autres personnes, et que le monastère lui-même a été rasé, détruit, reconstruit, redétruit, enfin bon. Et que l'emplacement était très beau, il y a qu'au-dessus de la vallée du Cédron, est très impressionnant. C'est un lieu très 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 pauvre, très désertique, avec un climat presque insupportable à certaines saisons, mais d'une très très, une très grande beauté, cette espèce d'absolu de l'orthodoxie, d'absolu de la foi, d'absolu de la vie en Dieu. C'est vraiment aussi impressionnant que le Mont Sinaï, par exemple. Il y a des lieux comme ça dans la chrétienté qui sont des lieux d'absolu. En fait, c'est vraiment très impressionnant. Et je le rappelle aussi, je le dis aussi pour notre ami Brice, on profite pour instruire les catéchumènes. Il faut savoir qu'une bonne partie des offices que nous suivons, non seulement dans cette paroisse, mais dans l'Église orthodoxe universelle, avec des différences, bien sûr, suivant les cultures et quelques nuances, mais qui ne sont pas extrêmement importantes. Donc, globalement, l'ordre de l'office vient du monastère Saint-Sabas. Donc, une bonne partie de la divine liturgie, parce que dans la liturgie que nous célébrons, comporte des éléments qui ont été inspirés ensuite. Et donc, si vous voulez, il y a un fond qui date du IVe siècle, une notion relativement tardive, mais disons, les chrétiens qui ont vécu dans nos régions actuellement, si vous voulez, étaient presque tous inspirés
des pères qu'on pourrait appeler les pères orientaux, c'est-à-dire en fait les pères du Moyen-Orient. Et aussi bien en Irlande, c'est incroyable, c'est même. Pratiquement devenu équinico, comme c'est l'art d'un saint irlandais, aussi bien saint d'Irlande que du Sud, de l'Hérens, de la Bretagne, toutes ces personnes-là étaient nourries de l'expérience des pères du désert et de cette région-là. Oui, donc en fait, ce Moyen-Orient, la Palestine actuelle, si vous voulez, c'est vraiment le creuset du christianisme, surtout dans sa version monastique. Mais pas bon, on ne peut pas oublier ça, c'est vraiment très important. Et dans sa version liturgique, c'est vrai que nous avons hérité de ces offices. Alors qu'ils sont, faut le dire, sont quand même souvent des offices monastiques, donc très riches, très, très développés, qui peuvent paraître pas très adaptés à la vie paroissiale, c'est vrai. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi des façons paroissiales de célébrer, de simplifier, d'alléger ce que nous faisons dans cette paroisse-ci sans remettre en question le patrimoine lui-même. Enfin bon, il faut quand même accepter de dire que ce sont quand même les moines qui ont travaillé en laboratoire et pour la vie ascétique, et pour la vie liturgique, et pour l'interprétation aussi des Saintes Écritures. Et donc, ben, on est bien content quand même que le monachisme existe et nous est transmis à nous, là où nous vivons, dans nos banlieues parisiennes, nous est transmis donc des instruments pour nous approcher du Christ et être agréable à Dieu. Donc, c'est assez important. Maintenant, c'est vrai que quand on a célébré, par exemple, cette semaine, la liturgie selon Saint-Germain de Paris, c'est une liturgie beaucoup plus légère, qui est, au fond, d'une certaine façon, plus adaptée à la vie paroissiale. On peut réfléchir à ces choses-là, mais je pense que, tout de même, c'est la richesse qui est transmise par le type icône de Saint-Sabas, c'est vraiment précieux. Alors après ça, on a appelé ça l'office byzantin, mais l'expression byzantin, ça vient du fait que le type icône, c'est-à-dire l'ordre des offices du monastère de Saint-Sabas, ça a été comment dire, assimilé par toutes les églises locales, les grandes églises, et particulièrement l'église de Constantinople, qui en a fait sa liturgie, qui en a fait son ordo, son type icône, et qui après ça l'a diffusé dans toutes les églises qui étaient sous son influence, c'est-à-dire en fait tous les Balkans, ce pays-là, si vous voulez, ils ont hérité de l'office qu'on appelle l'office byzantin, mais qui est en fait l'office de menacer à Saint-Sabas. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, ça arrive jusqu'à nous. Donc, c'est important de pouvoir se situer. Voilà, donc, quand on faut prier ces personnes-là, parce que, vous savez, les saints sont invisiblement présents avec nous, on ne fait pas simplement mémoire des gens du passé, mais on s'adresse à des personnes avec qui on célèbre en réalité, bien qu'on n'ait pas leur icône, on ne va pas avoir toutes les icônes, mais disons qu'on célèbre avec les saints qui sont invisiblement présents, parce qu'ils confessent la même foi, parce qu'ils ont globalement la même expérience, et que nous essayons de vivre comme ils ont vécu, d'avoir part à leur expérience. Mais ça, c'est la grande affaire pour nous dans les paroisses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à participer à cette expérience des saints, sous quel mode? Alors, c'est principalement le mode liturgique, mais même l'expérience du repentir qu'on a en paroisse, ça vient quand même de là, vous voyez. Une bonne partie de ce qu'on vit tout de même, au plan familial, au plan de vie personnel, au point de vue paroissial, c'est notre façon à nous d'avoir part à l'expérience des saints, et particulièrement de ces saints-là. Oui, ce n'est pas n'importe quel saint non plus. Oui. Des gens très, très précis, j'allais dire très professionnels dans la vie de foi, dans la vie liturgique, mais c'est aucun amateurisme, aucun arbitraire, une justesse. Voilà, très exigeant aussi. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas exigeant dans ce domaine-là alors qu'on l'est dans le domaine technique? À notre époque, on est très, très exigeant dans le domaine de la technologie, l'informatique, ça c'est très très précis. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas aussi précis dans le domaine liturgique? Je ne vois pas. Bon, voilà, que Dieu nous encourage à vivre tout ça avec enthousiasme et joie. Amen. Amen. Amen.